Alors aujourd'hui, nous sommes au club de golf Château Bromont pour le quatrième tournoi circuit école du programme Golf Études. Le circuit école, c'est deux rondes de tournois qui nous permettent à nous, les entraîneurs, d'intervenir en jeu lors d'une compétition importante pour aider les jeunes golfeurs dans leur développement sportif. On travaille fort sur la technique lorsqu'on est à l'intérieur puis au champ de pratique, mais on veut les aider à devenir des bons joueurs de golf, des bons compétiteurs. Le circuit école comporte cinq compétitions de deux jours. Il y a une compétition qui est au camp d'entraînement en Caroline du Nord, à Wilmington, et quatre compétitions qui sont au Québec, deux à l'automne, deux au printemps. Évidemment, c'est un circuit qui est réservé au programme Golf Études de Golf Québec et qui se veut un circuit très formatif. Alors, les entraîneurs accompagnent les athlètes sur le terrain. Par conséquent, peuvent leur prodiguer différents conseils tout au long de la journée. Et pour faire partie du Golf Études, évidemment, il faut être discipliné, il faut être golfeur à la base, il faut réussir les tests d'entrée. Alors, chaque structure a son test d'entrée, test physique, test d'habilité technique. Et par la suite, une fois qu'ils sont entrés, il faut être extrêmement discipliné parce qu'il faut se rappeler que ils vont avoir 75 % de leur temps école pour réussir 100 % de la matière. Donc, à part une discipline qui s'applique au niveau sportif, il y a aussi une discipline académique qui doit s'appliquer. Fait qu'une journée, quand tu es en sport-études, ça ressemble, tu sais, je me lève à 6h30 le matin, je m'en vais, j'ai trois classes de 1h15. C'est super rapide comparé à mon école, le programme régulier, 4 classes. Donc, on est dans un programme accéléré. Au lieu de partir à 4h, on part à midi. À midi, on s'en va, je prends le bas, je me rends à mon sport. Puis on fait 3 heures d'entraînement, c'est pas difficile, je me rends à la maison. Puis je fais mes devoirs en accéléré encore parce qu'on en a beaucoup plus. Pour ça, je me couche, puis je me relève, puis je recommence le lendemain matin.